My Sweet Imo vous emmène à la rencontre des Global City Makers. Eh bien, toujours en direct de ce premier forum Global Makers, Global City Makers, je suis avec François Scutten. Bonjour François. Bonjour. Alors, vous êtes dessinateur, scénographe. Vous nous avez fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui. Nous présenter un peu votre vision poétique, une vision d'artiste du Grand Paris. Alors, c'est quoi cette vision? L'idée... Quand j'ai eu la chance de travailler avec Christian Blanc et avec Alexandre Misoff, c'était vraiment de donner à voir ce que pourrait représenter une ville-monde comme Paris. Alors évidemment, c'est des notions qui sont tellement abstraites que si un jour, il faut commencer à en faire une image de ça. Et donc, c'est vrai que j'ai un petit peu rêvé à être le petit prince sur la planète Paris et de l'arpenter et de voir comment elle va se transformer, comment elle va bouger. Donc, c'est vrai que c'est un peu métaphorique. C'est un peu une distance comme ça qui permet de retrouver un certain nombre de valeurs et d'enjeux qui, sinon, disparaissent dans le réel, écrasés par la digitalisation. Oui, et par des phénomènes qui font qu'à la limite, la banalité nous empêche de rêver. Alors, vous avez parlé de Jules Verne, qui a écrit un roman dont on ne connaît pas beaucoup. Enfin, moi, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça avec vous, sur Paris à l'époque et qui avait sa vision. Oui, c'est un Jules Verne qu'on connaît peu, un Jules Verne un peu romantique, un roman très particulier qui s'appelle Paris au XXe siècle. Il l'écrit en 1860, mais le roman se passe en 1960, un siècle après. Donc c'est vraiment un très grand saut. C'est quand même une capacité à se projeter. Un siècle, imaginez-vous, dans un siècle, c'est pas si simple. Et alors c'est très intéressant ce roman, très touchant, très fort, même s'il n'est pas apprécié de la même façon que 20 milieux sous les mers ou 5 semaines en ballon. Et moi j'ai eu de la chance de l'illustrer quand on l'a découvert, parce qu'il était dans un coffre. Figurez-vous, ils ont voulu. Le coffre était fermé à clé. Et ils ont fait sauter le coffre et tout en dessous, il y avait ce manuscrit inédit de Jules Verne qu'il a réalisé juste presque en même temps que 5 semaines en ballon. On est vraiment au début des voyages extraordinaires. Et ce qui est intéressant dedans, c'est justement qu'il imagine un Paris un peu haussmannisé, évidemment, parce qu'Haussmann est en train de... Mais un Haussmann affolé. Les immeubles ont encore grandi, on a des embouteillages, mais pas de voitures comme nous les connaissons, de voitures électriques. Uniquement de voitures électriques, ça c'est vraiment assez cocasse. Et puis des tas de choses qui sont intéressantes. Il n'y avait pas encore la tour Eiffel. Et il pressent qu'il faut qu'il y ait une immense tour qui domine la ville de Paris, un phare qui éclaire la ville la nuit, et des ballons qui sont là pour contre la foudre. Enfin, c'est formidable de voir cet imaginaire et de voir cette audace et de voir en même temps, quelque part, il nous rejoint. Les voitures électriques sont là maintenant. Et puis là aussi, le contrôle, un grand livre géant qui contrôle, qui inscrit tout ce qui s'y passe, un peu comme les caméras sont en train de le faire aujourd'hui. Alors voilà, c'est ce jeu entre notre réel d'aujourd'hui et cet imaginaire qui m'a passionné. Et alors vous, comment est-ce que vous voyez Paris demain? Écoutez, justement, moi je ne suis pas là pour le voir uniquement avec des visions économiques, politiques et tout a l'air bien, on tartine un peu de vert pour faire joli. Donc là on laisse tomber la langue de bois et... Je crois que peut-être Paris sera recouvert, le centre de Paris, par une immense cloche de verre. Le tourisme étant, il y a une telle pression qu'on a décidé à un moment donné d'accepter que pour éviter aussi la pollution, les pluies acides qui sont terribles pour les monuments historiques, et on a décidé de la couvrir. Et grâce à ça, on met le cœur de Paris. Le reste, on l'abandonne un peu. D'accord. On se dit, on ne peut pas tout surveiller, on ne peut pas tout faire. Donc on met Paris sous cloche et là, évidemment, là, c'est parfait. Là, quand vous entrez, c'est compliqué pour entrer, évidemment. Il faut s'habiller, il n'y a pas de voiture. Bon, tout avec des chevaux, il faut quand même correspondre un peu. Vous faites revenir des chevaux. Oui, mais des chevaux qui sont très, très propres. Non, mais l'idée, évidemment, c'est de parler de la muséification, de la carte postale que représente Paris. Et aussi, vous savez que les Japonais, touristes ont un malaise quand ils voient que leur Paris ne correspond pas à celui qu'ils ont rêvé. Il y a le mal de Paris, qui est presque un malaise qu'on connaît. Et donc, c'est vrai que la pression sur l'image, sur l'iconographie parisienne, est tellement forte
que peut-être on va en arriver à quelque chose qui ressemblera à ça. Est-ce que c'est bien ou pas? Ah non, moi je suis pas là pour dire ce qui est bien ou pas bien. Moi je suis pas là. Est-ce pour... que ça reste vivant sous cloche comme ah, ça? Ah non, c'est pas tellement vivant, mais alors c'est très beau. Il y a la rosée du matin. Une fois par an, il y a quand même de la neige artificielle, évidemment. Enfin, il y a des tas de choses qui sont. Et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Alors à l'extérieur, c'est abandonné. Là, on considère que les promoteurs immobiliers peuvent y aller. On monte des tours gigantesques et bon, on accepte que la sécurité n'est pas du tout la même. C'est une ville à deux vitesses. C'est intéressant de parler de la dystopie. C'est intéressant de creuser, d'aller voir jusqu'où on peut aller dans une vision éventuellement assez effrayante. Ça nous oblige à réagir, c'est ça qui est excitant. Et alors, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'une vision verticale des tours, etc. Des villes. Et vous développez une vision horizontale avec des passerelles. On ira visiter Notre-Dame, mais uniquement le haut. Oui, on peut plus entrer dans Notre-Dame. Il y a trop de touristes, trop fragile. Donc, on la couvre d'une cloche de verre, mais en même temps, la cloche permet aussi de tourner autour, de découvrir des détails. Et vous enrobez la Tour Eiffel de verre aussi. Non, la Tour Eiffel, c'est différent. C'est son immense, en fait, structure métallique. Qui permettent de créer des passerelles là aussi, mais à différents niveaux. Ce qui fait qu'on multiplie par 5, par 10 même, le nombre de visiteurs qui a explosé. Tout le monde sait, tout le monde veut aller sur la Tour Eiffel, donc c'est plus gérable. Donc le seul moyen, c'est de passer par ces arches qui tendent comme ça des passerelles. Voilà, c'est des solutions. Hein, Et alors, dans tout ça, on ne parle pas du tout du Grand Paris. Non, alors le Grand Paris, ça, c'est beaucoup plus sérieux. C'est beaucoup plus sérieux. Mais dans un livre qui s'appelle « Revoir Paris », je développe un peu avec Benoît Peters la notion de cet immense monde. Moi, je l'appelle ville-monde, mais comme beaucoup de gens m'appellent ville-monde, et des enjeux que ça représente. Oui, c'est beaucoup plus sérieux, ça. Je ne suis peut-être pas tout à fait capable d'être... Est-ce qu'on peut embarquer des gens dans cette aventure du Grand Paris en s'en tenant uniquement au discours économique actuel? Ah non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ce qui nous manque, c'est évidemment une part d'imaginaire. Regardez, c'était très frappant d'ailleurs. Je trouvais qu'il y avait une pauvreté dans le concours qui a été organisé sur le Grand Paris, mais il y a peut-être une dizaine d'années ou un petit peu moins. Il y avait une pauvreté sur l'image. On ne sait pas comment appréhender le futur par l'image. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quand va-t-on se remettre à rêver le futur de Paris, et pas seulement en mettant des arbres... Et des tableaux Excel, et un peu de végétalisation à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour ça qu'il faut faire travailler des poètes, des photographes, des peintres, des tas de gens, des philosophes. Donc il faut créer des films, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut faire... Il faut un think tank transversal. Oui, la transversalité, c'est une évidence. On est terriblement cloisonné encore. Bon, heureusement, maintenant, ça bouge. Hein. On sent qu'on est quand même en train d'entrer dans un autre monde. Mais il y a des résistances. Et c'est ça que je trouve parfois un peu triste, c'est de voir qu'on oublie cette dimension qui est tellement importante. C'est celle de donner l'envie de demain. L'envie de demain, mais c'est la chose la plus belle qui soit. Et moi, je rêvais, quand j'étais jeune, de voir les voitures volantes autour de au-dessus de Paris. Bon, il n'y en a pas, et je crois que ce n'est pas encore pour demain, mais ça a l'air de bouger de ce côté-là. Et qu'est-ce qui vous fait rêver, vous, aujourd'hui? Moi, ce qui me fait rêver, c'est comment, justement, c'est le mystère des villes. C'est les choses qu'on ne sait pas définir, qui vous hantent. C'est les choses troublantes, c'est les villes qui s'insinuent en vous par des dimensions qui ne sont pas calculables. Et pour ça, voilà, il faut laisser l'espace à ça. Il faut que la ville soit une éponge pour recevoir l'imaginaire des gens. Et quelle est la ville qui vous travaille en ce moment? Et pour l'instant, je termine un Black & Mortimer autour de Bruxelles, ma ville natale. D'où je viens, oui, natale, même si je vis entre Paris et Bruxelles. Mais alors voilà, pour l'instant, je suis beaucoup occupé de cette ville dans une vision assez dystopique. Hein. Je dois vous dire que je ne l'ai pas loupé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Scuten. Je rappelle que vous êtes dessinateur, scénographe et plein et surtout poète. Oh, c'est un mot qui n'est pas tout à fait... C'est trop beau pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous.